Salut Sky, bienvenue ici. Vas-y, assieds-toi. Mets-toi à l'aise. Il y a un sans bon de café à côté de toi. Merci pour le café. Bon, désolé pour cet accueil un peu roots, mais on ne s'est jamais trop prudent. Pas de problème, j'ai l'habitude. Donc moi c'est Sky, et je te présente Klarishka, qui est l'hologramme Retrobot de mon bracelet analytique. Un modèle unique. Enchantée, je suis Klarishka, relation humain, Retrobot. Salut Klarishka. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, nous aurions des questions à te poser autour des mondes rétrofuturistes et du post-apocalyptique. Ouais, tu as bien fait d'arriver dans ma réalité. Je vais pouvoir te dévoiler quelques secrets. Tu as écrit le livre Rétrofutur, dans lequel tu explores tous les aspects du rétrofuturisme, puis tu as orienté tes recherches autour du post-apocalyptique. Concernant tes analyses sur la SF, penses-tu qu'il y a un message derrière les différents genres, et plus particulièrement le rétrofuturisme ? Tout à fait. Alors, la science-fiction, super simple, parce que c'est vaste. La science-fiction, pour moi, si tu veux, c'est une sorte de machine à imaginaire. Et on pourrait prendre l'image du train. Et c'est une sorte de locomotive avec ses wagons et qui progresse, si tu veux, sur la voie du temps présent. C'est-à-dire qu'elle évolue en fonction du temps présent. Et que cet imaginaire, oui, de ce qu'on connaît à un temps présent, et elle a deux fonctions. Elle a une fonction, c'est d'aller vers l'avant, vers le futur. C'est ce qu'on appelle l'anticipation. Tu vois, et la science-fiction, elle a pour sujet de réfléchir sur le devenir de ce qu'est l'homme, sa société, ses civilisations et son devenir de cet ensemble-là. Donc, la projection vers le futur, c'est extrapoler, imaginer ce que sera demain. Donc, c'est ce qu'on appelle l'anticipation. Et ça débouche, si tu veux, sur, on va dire, deux perspectives. Il y a une perspective extraplanétaire, tout ce qui se passe en dehors de la planète. Et ça va amener, si tu veux, sur les récits art, science, exploration spatiale. Et en point d'horizon, on va dire, ultime, c'est le space opéra, c'est planète opéra. Des récits d'aventure qui nous projettent l'humain loin dans la galaxie. Et puis, tu as une perspective planétaire qui est de dire, allez, on réfléchit sur ce que sera demain notre civilisation, notre société. Donc, tu as une voie qui sera l'anticipation un peu positive, c'est-à-dire la science, le progrès, qu'est-ce qu'elle va contribuer à faire évoluer nos sociétés. Et puis, tu as une version plus pessimiste qui sera donc, par exemple, la fiction post-apo. C'est-à-dire montrer comment ce progrès qui peut être générateur d'évolution, on va dire, technologique, faire évoluer la civilisation, en même temps, elle peut être aussi porteur de destruction. Donc, Donc, l'anticipation, voilà, elle a ses deux voies, deux perspectives, extraplanétaire, planétaire. Mais la science-fiction, c'est aussi un regard vers le passé. Parce que quand je prenais l'image du train avec ses wagons, c'est que d'un côté, si tu veux, le rapport au passé, c'est ce que j'appellerais un sorte de futur antérieur. Et tu as deux grandes voies, deux grandes manières de traiter le rapport science-fiction passé. D'un côté, c'est l'Uchronie. Parce que l'Uchronie, historiquement, appartient à la science-fiction. Et l'Uchronie, c'est une manière pour des auteurs de réécrire l'histoire ancienne, l'histoire passée. Et donc, d'imaginer, les nazis ont gagné la guerre, on n'a pas découvert l'Amérique, ce genre de choses, tu vois. On joue avec les données historiques. Mais tu as une autre voie, tout aussi importante, qui est le rétrofuturisme. Parce que si tu veux, la science-fiction, depuis qu'elle est née, comme elle vit au temps présent, qu'elle spécule sur ce que sera demain à partir des données à un moment précis, X, et bien la science-fiction, elle se fabrique des imaginaires futuristes qui, à un moment, sont dépassés. Par exemple, au 19e siècle, on conçoit le futur d'une certaine manière. Pendant l'entre-deux-guerres, on va concevoir le futur d'une autre manière. Et ainsi de suite. Et toutes ces histoires-là, si tu veux, toutes ces couches sédimentaires qui se développent au fur et à mesure, et bien à un moment, les auteurs de science-fiction se sont penchés sur cet héritage pour lui redonner vie. Et ça, c'est l'histoire du rétrofuturisme. Donc je peux déjà situer, c'est au début des années 80. Donc c'est important au niveau du contexte sociopolitique, culturel, puisque le mouvement rétrofuturiste va éclore à quasiment de manière simultanée dans trois grands pays producteurs de science-fiction qui sont les États-Unis, la France et le Japon. Et que le rétrofuturisme, c'est un ensemble
où les auteurs développent, on va dire, un contexte métatextuel, c'est-à-dire qu'on s'empare de l'héritage passé de la science-fiction, donc ses motifs, ses figures, ses thématiques, on les mélange et on crée un nouveau discours et qui après s'étage en différentes sous-catégories, donc c'est le fameux steampunk. Alors le steampunk, c'est le 19e siècle, hein, grosso modo, c'est-à-dire justement on réutilise le motif du progrès de la science-fiction technologique et on imagine que ça va plus vite que par rapport à notre propre histoire. Donc le 19e, ça concentre essentiellement sur les révolutions industrielles, l'utilisation de la vapeur, et donc on développe des récits futuristes en fonction de cette évolution technique. Donc je pourrais citer Steam Boy de Otomo, par exemple, qui est le film d'animation emblématique du steampunk. Après, tu as ce qu'on appelle le dieselpunk, qui lui se concentre essentiellement sur l'entre-deux-guerres, entre les deux guerres mondiales, et va traiter essentiellement d'une utilisation plus rapide de l'électricité et du pétrole. Et le film emblématique de référence, c'est Captain Sky and the Tomorrow World, qui est voilà, l'œuvre la plus emblématique, puisqu'elle synthétise tout l'imaginaire de l'entre-deux-guerres en une seule fiction. Et puis après, tu as l'atompunk, qui se situe après donc 45, l'usage de la bombe atomique, l'usage de l'énergie atomique, et on imagine des sociétés qui vont beaucoup plus vite en termes d'évolution, qui finissent des fois par s'effondrer. Et donc là, je pourrais citer le cas de Fallout, qui est la référence en matière donc d'atompunk et de post-apo, pour le coup. Voilà à peu près le principe. Donc gardez en tête que l'outil de la science-fiction s'inscrit dans un temps présent, elle se nourrit de ce temps présent, de nos idées, donc elle évolue à travers le temps. Hein. La science-fiction des années 50 n'est pas la science-fiction des années 80, ni même celle des années 2010. Et du coup, elle a un regard projeté vers le futur, donc l'anticipation, et un regard projeté vers le passé, que j'appellerais futur antérieur pour le coup, à travers l'uchronie et le rétrofuturisme. Tu es également spécialiste des mondes post-apo, et ça tombe bien, car justement nous sommes dans un monde post-apo à l'esthétique rétrofuturiste. Mais comment est-ce possible? Peut-on mélanger les genres sans tomber dans le cliché? Peut-on par exemple faire du post-apo avec des zombies dans un monde uchronique fait de vapeur et d'acier? Y a-t-il des codes à respecter? Non, alors c'est ça qui est fort. Alors, je reprends mon idée du fameux train, quoi, la science-fiction ancrée dans ce temps présent, sans rapport au futur, sans rapport au passé. Le rapport futur, j'ai parlé d'anticipation avec une perspective extraplanétaire, donc l'espace, une perspective planétaire, et le passé avec l'uchronie et le rétrofutur. D'accord ? On garde bien cette structure-là. Le post-apo, quand j'ai bien réfléchi un petit peu là-dessus, c'est que le post-apo, tu vas le retrouver partout. Alors, effectivement, il est très ancré dans l'anticipation pessimiste, c'est-à-dire comment le progrès ou les impacts environnementaux vont précipiter l'effondrement, mais du post-apo, tu en retrouves en space opéra. Je pourrais citer par exemple Fondation d'Asimov, puisqu'on parle du chute d'un empire et de sa renaissance, donc on vit un phénomène d'effondrement, mais tu le retrouveras en uchronie et tu le retrouveras en rétrofutur. C'est-à-dire que du coup, le post-apo, l'idée d'effondrement, c'est plutôt un motif qui se promène à travers toute la science-fiction, qui irrigue toute la science-fiction. Et du coup, le post-apo, comme j'aime toujours faire cette comparaison avec la fantasy, qui n'est pas du tout ma tasse de thé. Et si tu veux, le post-apo par rapport à la fantasy a une force de frappe bien plus importante, puisqu'avec le post-apo, tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu veux mettre des zombies avec des dirigeables, avec des mechas rétro ou ultra-futuristes, avec des démons, avec des monstres, avec des extraterrestres, tu peux tout faire. Le post-apo, c'est une sorte de page blanche où tu fais tout ce que tu as envie de faire. Tu peux tout mélanger. Au final, tu retrouves donc du post-apo en uchronie. D'une certaine manière, les années de Sel et de Kim Stanley Robinson, c'est les âges sombres, si mon souvenir est bon, évoquent la destruction de l'Europe avec la peste noire. L'Europe disparaît, mais c'est les autres sociétés qui vont continuer à évoluer. C'est une forme, tu vois, de récit post-apo. Il y a un récit, alors j'ai plus du tout le titre, hein, mais c'est un bouquin des années, une série de bouquins des années 90, qui évoque la chute d'une comète sur Terre, et en fait ça entraîne une destruction des sociétés du 19e qui se reconstruisent par la suite, dans une version steampunk, tu vois. Fallout, c'est du post-apo,
mais avec cette, en s'inscrivant dans cet atome punk. Donc du coup, on a une société futuriste post-apo où tu vois tous les, comment dire, tous les motifs, tous les symboles, toutes les sciences des années 50 à base de, d'énergie nucléaire ou ce genre de choses. En fait, le post-apo, tu l'appliques où tu veux. Et donc, si tu veux mettre des zombies, des gobelins, des créatures démoniaques, des extraterrestres, tu fais tout ce que tu veux. C'est, le post-apo a vraiment cette capacité à ouvrir tous les horizons. Alors que la fantasy, tu peux pas mettre de robots, sinon c'est plus de la fantasy. Tu peux pas mettre d'extraterrestres, parce que c'est plus de la fantasy. Et donc pour moi, c'est ça la grande force du post-apo. Et c'est pour ça que le post-apo véhicule à la fois, on va dire, un versant très critique, réflexion sur notre devenir, c'est-à-dire les risques d'effondrement, et de mettre en scène le monde après l'effondrement. Mais tu as aussi tout un pendant qui s'est alors particulièrement développé à partir des années 80 et 90, avec point d'origine dans les années 70, où tout d'un coup, tu as l'entertainment, c'est-à-dire vraiment tous les fonctionnements de la culture populaire, pas de la culture effectivement plutôt industrielle, qui vont récupérer l'imagerie du post-apo. Et aujourd'hui, tu as des auteurs, que ce soit en littérature, en bande dessinée, en jeu, en ce que tu veux, ils utilisent juste le décor du post-apo pour raconter des aventures. Mais il n'y a pas de réflexion sur ce que nous sommes. C'est-à-dire, en fait, le post-apo devient un décor, comme la fantaisie constitue un décor. Donc, il faut bien garder en tête que dans le post-apo, tu as à la fois une critique et à la fois un côté juste divertissement.